Bien. Alors, on va prendre le jeu là comme ça, voilà. Hop. Ah ouais, on est à 89,1. Mais non, je me suis pas barré de... Je suis en train d'envoyer le lien. Hop, voilà, je partage tout ça. Et bah écoutez, hop, allez, on perd pas de temps. Parce qu'on a pas mal de lumes ces deux cages à récupérer quand même. Salut, t'as la barbe. Alors, la canopée, ok, let's go. Alors par contre, j'ai l'impression que cette espèce de con là, il m'a complètement oublié les touches. Attendez voir, qu'est-ce qu'il m'a foutu? Pourtant c'est les bonnes touches, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah putain, mais non, mais oui, mais... Il va te faire... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Hop, j'appuie sur la touche du clavier. Je vais vérifier sur la manette parce que ça me paraît bizarre là. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Ok, d'accord. Il m'a tout perdu. Ah oui, mais en fait, lui, il m'a tout enlevé, cette espèce de con. D'accord. Putain, qu'il est con. J'adore faire des paramétrages comme ça à chaque fois. J'adore. Espace. Attendez. Espace, c'est tirer. Donc, tirer, c'est cette touche-là. Oui, voilà. Ah là 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 là. Pourquoi il m'a pas sauvegardé ça, lui? Espace. Non, lui j'avais dit que c'était contrôle. Qu'est-ce qu'il m'a foutu? Oh là 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 là. Mais quel bordel. Tac tac tac. Non, je crois qu'on est bon. Ah non, il reste une touche. Il reste une touche et c'est... Ok, hop. Voilà. Bon, on devrait être good, les gars. Allez. Bon, attendez, il faut que je vérifie tout, là. Il nous en manque combien? Il nous en manque 5. 5 lumes. Donc ça se trouve, c'est un gros lume. Ah, le son est un peu fort, ok. Hop, j'ai un petit peu diminué, vous me direz. Vous me direz c'est mieux ou pas. Ouais, c'est le mari du guette qu'on voit. Du guette. Du guette. Lul. C'est la connerie à la démo, tiens. C'est le mari du guette, Globox. J'ai vu sur Discord que tu as un circuit maison pour jouer à la manette Megara sur PC. Est-ce que tu prends des commandes? Ben, j'ai de quoi en faire un deuxième, normalement peut-être trois, faut que je regarde. Faut que je regarde ça, ouais. Il faudrait que j'essaye aussi de trouver de quoi faire un petit boîtier, parce que là du coup le circuit est visible.
ça me plaît pas trop quoi. Parce que s'il se prend un truc dessus, bon, je vais pas trop aimer quoi. Salut Crocucci, tu as fini Splatterhouse 3 sur une victoire ou un abandon? Une victoire et même deux victoires. Parce que du coup on a fait la bonne fin aussi. Donc c'est une victoire pour Canard VC encore. Hein. Tu l'aurais encore diminué toi, Doc? Parce qu'apparemment, Demo il trouve que le son est bien. French il trouve que le son est bon. Ouais, je sais pas, vous me direz les gars. Hein. Bon, en tout cas, j'ai vu juste avant de couper, là, fin, en coupant tout à l'heure, vous étiez 10, dis donc, sur le live, ça fait plaisir. 10 personnes pour Splatterhouse, dis donc. Ça fait bien plaisir. Par contre, le Lums, où est-ce que j'aurais pu le louper, dis donc? Je pense que c'est un endroit à la con. Quand il y a la musique, c'est un peu chaud pour t'entendre. Ah ouais. Bah vous, bien, vous me redirez quand il y aura de la musique. Où est-ce que j'aurais pu louper le Lums? N'écoute pas cette souris, elle est sensible aux ultrasons. Après, je sais que ouais, toi, Demo, t'as quand même l'oreille aussi pour ce genre de truc. Hein. Ça, c'est vrai que là-dessus, on peut pas te le reprocher. Le ministère du temps libre nous a permis de voir ton live. Eh ben, il est bien rond ce ministère. Ah, parce qu'il y avait même Monsieur Darjack, dis donc. Est-ce que le jeu est court? Bah là, on a mis à peu près... Enfin, on va mettre à peu près 5-6 heures. Voilà. Sachant que je le connais quand même bien. Donc je pense que quelqu'un qui le découvre, il mettra peut-être un petit peu plus. Hein. Peut-être plus du 7-8 heures. Ça dépend comment tu galères. Alors, le Lums, il est forcément là. Hein, parce que là, on est à la fin du niveau. Il est forcément ici. À mon avis... Oh, putain. Il est con. Ah là 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 là. Le pire c'est que je savais qu'il y en avait un là quoi. Il y a du monde. Eh oui monsieur Asmo, il y a du monde. Ah, du coup là je sais pas combien on est exactement, mais tout à l'heure ouais, il y avait du monde en tout cas. Nous étions 500. Ça, on s'en fout, hein. Au revoir, merci. Ah, on est 9. Oh, et ben dis donc. Et ben, ça fait plaisir, hein, les gars. 9 personnes, dis donc.
Alors ici, où est-ce que j'aurais pu louper le link? Il en manque 5 et une cage. Bon. On vient pour le skill et s'il n'y a pas de skill, on se casse. Ah là là. Ah, il y a la pression là. Il y a trop de pression, je peux plus. Ah, la caméra des fois. À mon avis, ça doit être là-dedans, c'est pas possible. Merde! C'était où pour ce... Ah oui, j'ai oublié de paramétrer cette touche. Loul! J'ai oublié de paramétrer la touche. Voilà, je savais que j'en avais oublié une. On va mettre celle-là, tiens. Hop! Comme ça, on peut plonger. Voilà, alors, attendez, parce que du coup, ça, ça me fait chier, voilà, parfait. Est-ce que ce serait pas là-dedans, des fois? Allez, du coup, Asmo, je sais pas si tu as vu, mais j'ai retrouvé une vidéo où le mec, il partage la démo de Rayman 2 sur PC, dis donc. Je pensais vraiment pas que je la trouverais. Ça m'a rappelé du coup le temps passé sur cette démo. Quoi. Oh. Franchement, j'ai dû la faire mais tellement de fois aussi. Oh. Le jeu est plus sombre que le premier. Ah oui, oui, bah si tu parles de l'histoire, oui, carrément. Bah, c'est pour ça aussi que je le préfère, je pense. Hein. Avec le méchant barbe tranchante et tout, franchement. Pas mal du tout. Salut Krakoukas! Fait bien plaisir de te voir, monsieur Krakoukas. Attendez, est-ce que par ici il y a un lums? Non, pas du tout. Alors, où est-ce que j'aurais pu le louper? Merde! C'est fou ça! Non, non, la touche, je l'avais paramétrée dimanche à ce mot, mais là, il m'a tout. Enfin, il a rien sauvegardé, cette espèce de con. Donc, j'ai dû reparamétrer là, juste avant de commencer. T'as fait le jeu l'an dernier, c'était bien sympa, mais tu penses préférer le 3? Bah, le 3, disons qu'il met plus l'axe sur l'humour, quoi. Enfin, surtout au début. Après la fin, c'est vrai que c'est encore plus sombre que Rayman 2. Largement. Après, je sais pas si je préfère le 2 ou le 3. J'avoue que ils sont quand même bien tous les deux. Ils ont leur qualité et leurs défauts. Mais ouais, je saurais pas dire lequel je préfère, dis donc. Je pense que, bah, de toute façon, je l'avais dit, j'ai fait le 2 énormément de fois, plus que le 3, ça c'est sûr. Parce que j'ai fait pas mal de versions pour tester le 2. Après, le 3, je l'avais fait quand même pas mal de fois aussi, hein. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que comme dit, le 3, il y a l'humour, l'histoire quand même qui est relativement sombre et tout. Le 2, c'est vrai que c'est un peu onirique et puis bah, l'histoire est quand même aussi sombre. Donc, c'est pas simple de départager les deux. Ils ont vraiment tous les deux leur univers. Leur univers et leur ambiance. C'est sûr que
quand j'ai joué au 3, c'était vraiment une révolution, quoi. Il était... Oh, il est là, le Lums. Foiros. Sûr que le 3, c'était quand même une sacrée claque, hein. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été une claque, quoi. Comme dit, je jouais pas beaucoup à des jeux PC. Les jeux PC que j'avais, c'était Rayman 1 et Rayman 2. Ça drop. Attendez, vous me dites que ça drop? Le temps passé sur Demo One. On ne veut rien savoir de tes cochonneries. Oh là là, qu'est-ce qu'il raconte, le doc? C'est quoi ces logiciels qui sauvegardent pas les touches? On se croirait sur le main d'Affen. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux? Ah, vous avez eu du drop, mais c'est bizarre parce que OBS m'a rien dit. Bizarre, et pourtant j'ai enlevé le wifi du téléphone et tout, hein. Donc ouais, ça fait peur là par contre. Attendez. Commencer à me faire peur. Alors attends, Asmo, tu me dis que c'est bon. Talabarbe, tu me dis que c'est bon aussi. Oui, c'est normal, l'écran figé et tout. Hein. C'est parce que je bouge pas là. Attendez, je suis en train de regarder. J'ai ouvert le retour. Et forcément, du coup, le machin il est passé à zéro spectateur, loul, pendant une fraction de seconde. Donc là, vous êtes trois apparemment à récupérer l'image. En tout cas, trois spectateurs. Ah, c'est bizarre, hein, le drop là, parce que j'ai rien eu sur OBS, il m'a rien dit, l'enfoiré. Il est resté dans le verre. Oh, c'est trop bizarre. C'est très très bizarre. En tout cas, je peux vous dire, j'en ai vraiment mais ras le bol de cette connexion de merde. C'est tellement rageant de pas pouvoir faire plus là pour cette foutue fibre. Oh, c'est celle-là que j'ai oublié de cage. Punaise, mais non, comment j'ai pu l'oublier? Il est con. Ah voilà, on a tout. Ah, c'est des erreurs d'inattention, ça. Alors, une fois, j'avais un gros décalage sur BS, je voyais mon live avec genre 2 minutes de retard. Ah ouais. Vache. Ah, c'est bizarre, hein, vraiment. Ah, puis, comme dit, cette connexion. Je peux plus de cette connexion. C'est mis 7 spectateurs, donc ils sont tous revenus, du coup. N'empêche, les gens qui savent pas voilà, que ta co elle déconne ou quoi, tu peux perdre des gens connement, hein. Pour des gros youtubeurs. Enfin bon,
En général, les gros youtubeurs, ils ont pas une connexion de merde comme ça, hein. Loul. T'as envie de commencer un nouveau jeu, mais t'as pas d'idée. Ah bah, y'en a plein, hein, des jeux. Pas ça qui manque. Parfait. Pour la fibre, c'est très compliqué. On a dû trouver des combines. Contourner les problèmes et faire les trois nécessaires pour utiliser le minimum de temps pour l'installer. Ah ouais, vous avez fait quoi comme combine? Parce que nous, nous comme dit, il faut installer des goulottes et tout pour qu'ils puissent juste poser la... Enfin, tirer la gaine, enfin la... Pas la gaine, putain. Tirer la fibre dans la gaine, que ce soit easy, quoi. Parce qu'ils veulent pas repasser dans la gaine ADSL et tout. Alors qu'ils pourraient très simplement virer le câble de l'ADSL par celui de la fibre. Hein, parce que plus personne va prendre l'ADSL, loul. Un petit peu une connerie ça. Hein. C'est juste qu'ils ont pas envie de se faire chier surtout. Sont branchés sur la fibre du voisin. C'est pas une bonne combine, ça. Retournons là-bas, on va le prendre à la gorge. On va retourner au voilier. Ça commence à tonner dans le ciel. Ah bah, tout à l'heure, moi, ça, j'avais de l'orage aussi. On a eu de la chance, c'est passé. Ah, mais on a loupé un lume-cela ? Sérieux, dès le départ, on l'a loupé, mais what the hell? Comment j'ai fait pour louper ça? Je crois que celui qu'on a loupé, il était vers la fin. Ensuite, attendez, il en manque combien là? Il en manque 3. On va quand même bien réussir à les avoir les 3 là. Pas falloir recommencer 15 fois encore. Je crois que c'est là mais... Attendez, je crois que je l'ai loupé, je suis pas sûr. J'ai cru voir un lume. Ça. Attends, quoi? On a dû passer une gaine dans le toit pour isoler l'ADSL de la fibre, que ça passe dans le salon et rendre accessible le tunnel qui va de la route de la maison à l'ancien boîtier téléphone. Sérieux? Oh la vache! Ah ouais, effectivement, ça c'est de la combine. Hein. La vache, c'est quoi cette... Non mais c'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de malade ce que tu dis, là. Tout ça pour avoir la fibre, quand même. Hein. Sauf que, je veux dire, c'est pas non plus un... Bon, après, c'est sûr que s'ils le font pour tous, ça prend du temps, évidemment, mais... C'est pas non plus ultra long de poser des putains de gaines, quoi. Oh là 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 là. C'est un truc de malade. Ok. Je te propose Rush and Attack sur NES. Ah là là. Il
Faudra qu'on l'essaye, n'empêche le rush. Prochaine attaque là, juste pour rire. Donc on a loupé deux lums. Deux lums. Alors gamer, tu l'as dans ton carton, The Wizard of Oz sur SNES, il y a une espèce de naïveté psychotrope, là, Lewis Carroll là-dedans, ce serait à voir. Je l'ai pas, mais après je peux éventuellement le faire, ouais. Si tu le fais, fais-le en coop. Ah, il joue à deux, le Russian Attack, là. Ça joue à deux, d'accord. Où est-ce qu'on a oublié les lumes? Je vois pas. Oh merde! Voilà. Coop Rom Station, bah peut-être, ouais, mais faut faire un essai avant. Fasse des essais parce que sinon avec ma super connexion on n'est jamais sûr de rien. Est-ce que la porte elle est encore ouverte ou il faut que je la pète? Ah c'est bon. Là, il n'y a pas de lumes, ça m'inquiète. Est-ce qu'il faut que je passe par là? Non, pas du tout. Il est planqué ce lums. Deux lums et on va réussir à ne pas les trouver. C'est incroyable ça. C'est des boss faciles. Tu parles de Rayman, Benjamin? Parce que si c'est le cas, oui, c'est très très simple. Hein. C'est extrêmement simple. Hein. Oh putain, la caméra. Ah! Oh! Mais c'est pas vrai, mais. Planqué par la caméra. Ah oh là 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 là. Bon bah allez, on se tire. On a tout là. Ouais, on a tout. Les boss de Rayman 2, oui, ils sont extrêmement simples. Hein. Vraiment. Pour galérer, faut vraiment ne pas connaître le jeu ou. Pas jouer trop au jeu quoi, parce qu'ils sont très très simples. Ah là là là, planqué par la vieille caméra, c'est interdit ça. On a parfois les sanctuaires. Ah bah voilà, les tombeaux des anciens. Un lums. Attends, un lums, ah oui. Loul. Planqué par Jean-Michel Caméra.
Attendez. Ouais, une cave, un lums et une cage. Oh! Mais non, je l'ai loupé là! Mais comment j'ai... Mais what the fuck? Mais comment j'ai pu le louper? Il était sur la route. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, c'est très bien, il reste plus que... Que la petite cage. Et la cage, je crois savoir où elle est. Je vais planquer des lumes derrière ma caméra, comme ça Gamer Diz il va devenir fou, et oui, voilà exactement, avec le magnifique accent en plus. L'accent de Jean Mimi. Laisse-moi tranquille. J'ai presque envie d'enchaîner, enfin, alors pas aujourd'hui, hein, mais prochain live, là, jeudi, j'ai presque envie d'enchaîner, en fait, avec Rayman 3. Il faut que je vois si la qualité, elle passe. Parce que j'ai bien envie de le refaire, dis donc. Avec le bon vieux Dédé. Pas ce que vous en pensez de faire ce petit Rayman 3 là, mais ça me tente bien. Je dois avoir des visions. Je suis un peu con. On fera des tests, et ben avec plaisir, oui. Après oui, comme dire, ça ressemble à Rayman 2, donc bon. Rayman 3 est pas sorti sur Mega Drive. Ah, l'erreur. L'erreur. Je crois que normalement quand tu maintiens, ouais voilà ce que j'allais dire, quand tu maintiens au bout d'un moment il envoie le truc tout seul. Apparemment, Rayman 3, ça emballe certains. C'est très bien. Bon, après Rayman 3, il faudra que j'enchaîne avec... faudra que j'essaye de faire le Splatterhouse 1 quand même. Comme ça, on aura fait les trois. Parce que j'avoue, je suis curieux de voir Splatterhouse 1. Mais je crois que le 1, il est extrêmement court, vu que c'est un jeu arcade.
Attendez, parce que là j'entends la cage et je crois qu'elle est pas très loin. What? Oh merde! J'ai pas réussi à la... à me rattraper. Il y a peut-être des niveaux psychédéliques entre les mondes qui peuvent te faire... Ah ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a les niveaux là. Bon, c'est vrai que... Ouais, je pense que ceux-là, oui, ils risquent de me faire faire du drop. Mais après, s'il y a que ça, bon, c'est pas très très grave. Sachant qu'il y aura un re-upload derrière, en plus. Hop. Et bah voilà. Ah, tu l'avais fait. Ah oui, je m'en souviens même plus, tu vois. Je m'en souviens même plus, Doc. Je pense qu'il doit être pas mal, hein, honnêtement. Il est dur mais faisable. Ok, bon. Après, quand tu vois le 2 et le 3, bon. Ils étaient quand même pas simples non plus. Donc, je pense que le 1, il sera. On y arrivera, quoi. On devrait s'en sortir. Ah, oh, t'as quand même du skill, Doc. Te dénigre pas, hein. Ouais, on la fera, t'inquiète pas, Radcolan, on la fera. Il y avait que Rat Pelade sur le chat. Ah, c'est pour ça. Est-ce qu'on est obligé de créer une chaîne YouTube pour commenter dans un live stream YouTube? Alors ça, c'est la bonne question. Je pense que oui. Sinon, on peut pas te modérer. Donc, ouais, ouais, je pense. Ce serait étonnant. Ah, salut Django. Tu arrives pour Monsieur Rayman. Attends. Ouais, on s'en fout en fait de la porte. Hop. S'en fout de la porte. N'empêche, je serais curieux de savoir comment il passe à cet endroit-là exactement. Parce que là, normalement, il y avait une salle prévue, une salle bonus. Et je sais pas comment il... Il y en a qui ont réussi à aller dedans. Je sais pas comment ils ont fait. C'est mystère et boule de gomme. Je laisse le live en fond, j'ai affaire. Pas de soucis, monsieur Django. Et ben voilà, on a tous les lums. On peut aller ici, dans le vaisseau prison, les gars. Et après ce monde-là, ce sera le boss final. D'ailleurs, ce général-là, il fait penser à Tonic Trouble, hein. Thank you.
Merci Django pour le référencement. Bah oui, il est bien rond. Ouais. Ah bah, t'as la barre, ouais, ce général Tony Troupe, voilà. Je pense que, ouais, il y a de l'inspiration là-dedans. Merci Doctoré pour les 10 balles et pour ton sub Grizzly, bien sûr. Il sait pas chanter des berceuses, c'est bien triste. Le Grolgot. Attention aux dons. Et voilà les dons. Bon, là par contre, ça risque d'être pixel land pour vous, les gars. Non, j'ai loupé un lumps. Ah, je me souviens que ce niveau, j'avais galéré. Hein, c'est là que tu sentais vraiment que t'étais au dernier monde. Hein. Oh là 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 là. Pas simple. Hein. Pour choper tous les lumes sans first try, tu peux t'accrocher. Hein. Oh là 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 là. Ok. C'est bon jusqu'ici. Ça pixelise pas tellement, et bah tant mieux, tant mieux. Non, mais oh, espèce de con. Les frais de port de Redbubble, exactement. Mais non, mais qu'il est con. Mais saute. On dirait Mario Kart sans carte. Oh putain, ouais, exact. Putain, c'est chaud. Ah, j'en ai loupé. Mais meurs, allez. Meurs. Ah, c'est chaud. C'est super chaud. Joue bien là, et ben merci monsieur Crafquest, parce que c'est pas simple, hein. La vache. Les semelles qui fondent. Ah bah là, Rayman, ouais, je pense qu'il peut changer ses godasses. Hein. C'est une pizza 4 chaussures qu'il a maintenant. Ah oh, merde, fallait accélérer. Oh, c'est pas grave. Puis c'est d'en choper un max. T'as eu un bug, Doc? Ah. Heureusement que la barre de vie est très très longue, parce que dis donc. Oh. Ok. J'ai chopé cela, voilà. Ah, t'as créé un bug. Crapcast ne veut pas t'offenser, mais tu joues mal. Allez, ramasse tout en first try. Ah, c'est pas simple en first try. Faut tellement bien doser l'accélération et tout. Ah, c'est chaud. Très très chaud. Ok, on l'a eu. Par contre, c'est là où ça me fait peur. Putain, j'ai cru que
que ça s'était pas activé. C'est là. Non. Oh. Putain, j'espère que je vais la voir. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Non. 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 Allez, saute. 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 Non. Oh putain, va falloir le refaire pour 5 lubs. Oh, fait chier. Bon, bah on va refaire ça, hein. Génial. Eh ben je suis content, tiens. Ah putain. De toute façon, je me faisais avoir à chaque fois à cet endroit-là. J'arrivais jamais du premier coup. Non, Mario 64... Mario 64, putain. T'allais lentement si tu tombais. Mais j'ai un problème, là. Si t'allais lentement, tu tombais, voilà. C'est mieux comme ça, loul. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, la caméra... Caméra. Le plus chaud, c'est la phase qui va suivre. Bah ouais, elle était pas simple non plus, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Quel jeu à la con, mais quel jeu de merde! Bannissez-moi ça! Je sens que Hooper va rager en faisant ce jeu. C'est sûr et certain. Ah, t'as entendu le fameux son sabre laser, ouais. C'est vrai qu'ils l'ont mis à toutes les sauces, bah. Comme dit, c'est un son qui était utilisé énormément, hein, je pense, dans ces années-là. Ok, donc normalement j'ai activé ça, oui. Alors quand un live stream va trop vite et que ça pixelise, est-ce que ça pixelise aussi en replay ou c'est uniquement pendant le live? Il me semble que c'est aussi pendant la rediff. Hein. Pendant la rediff, du coup, tu l'as aussi. C'est bien chiant. Allez, c'est parti. Ah, il y en a un là, je l'ai loupé. Ouais, c'est vrai que je capturais en off avant. Bah là je capture en off hein, aussi. Je fais les deux pour être sûr. On sera toujours pas du 60 fps, hein, mais au moins ce sera plus joli. Parce que du coup, vu que le stream il est en 30, je peux pas mettre à 60 pour le off. Attendez, je vais quand même vous lire. S'il faut les sons des sabres laser, ça fait partie d'une manque d'effets sonores accessibles qu'au plus grand du milieu, comme la licence devait coûter un bras. Bah, je pense, hein, peut-être, parce que vu comme ils l'utilisent pas mal dans les jeux et dans les films.
L'avantage pour le streamer, c'est que ça permet de faire des tests. Il peut tester une phase de jeu en live privé et voir ce que ça a donné dans le replay. Bah ouais, non mais c'est clair. C'est bien pratique ça. Ah, Docteur Who en VR, non, c'est les armures, c'était dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse. Hein. Après, le jeu de base, il était déjà pas ultra beau, donc bon, ça allait quand même, heureusement, mais bon. C'est sûr que c'était pas folichon, hein. Merde! Non, j'ai pas de OBS, non. En fait, t'as l'option pour le streaming et t'as capturé en local. Et du coup, bah, j'ai appuyé sur les deux. Comme ça, j'ai une capture locale aussi. Salut Yoplay, j'espère que tu vas bien. Oh là 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 là. C'est là que ça se corse, hein. Passer par là. Oh, patin de bretzel. Oh là 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 là. Que c'est chaud. Je sais pas si tu peux le mettre en mode nos commentaires en local. C'est pas du tout. J'avoue que j'ai jamais regardé. En général, quand je re-upload en no commentary, c'est quand je suis sur le logiciel du game capture. Parce que du coup, je coupe le. Enfin, je mets pas le micro dessus. Ça vient de Good Place et puis de Demo One accessoirement aussi. Vu qu'il arrête pas de nous le répéter, bah du coup c'est resté. Oh la vache. Que c'est chaud. Non. Merde. Enfoiros, et je me trompe à chaque fois. Touche! Non! Non! Oh! C'est bon. Et bah voilà. Attendez, il en manque 5. Eh ouais, il en manque 5. Qu'est-ce qu'on a foutu? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh ben ça va bien, monsieur Yoplay. Très très bien. Aussi appelé la méthode Gamerly sur R8. Pas le choix, hein. Pas le choix. Il en manque un dans la descente. Attends, dans la descente. Je vois pas où est-ce que je l'ai loupé. Tu veux dire là au dernier moment dans l'espèce de phase à l'étoile noire comme il dit Doc? Je vois pas du tout où je l'ai loupé, merde. Ou alors il fallait que je passe, dans l'autre chemin. Oh, je sais plus. De toute façon, j'ai passé dans l'autre chemin.
comme ça. Bon, lui, on peut accélérer. Hop, on n'a rien oublié ici. Cette partie de glissade, elle finit en cuvette de chiottes, tu l'as raté. Tu veux dire là, j'ai déjà raté? Non. Ah, mais non, mais oui, non, mais oui, non, mais attendez, je suis con, oui. Oui. Oui, 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 je vois, ça y est. Je suis con. Oh, mais pourquoi il a pas tiré dessus? Ouais, oui, effectivement, c'est cette phase-là, à la fin, c'est un lums à 5 lums, voilà, oui. Il est con, hein. Paniquez pas, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, les mecs. On est bientôt au boss final, en plus. Ah, hop. Tire-moi ça, merci. Wow. Oh, le con. Quoi. Gamer génial, je viens d'avoir le commercial de Sloggy Hotel. Leur campagne de pub démarre mi-juillet. Ils ont choisi le cliché où tu portes le slip moutarde. Tout prend tournure la nuit. Qu'est-ce qu'il dit? Slip moutarde. Ça va cartonner. Un slip moutarde avec une petite licorne. Bon, est-ce qu'on va voir le Lums cette fois-ci ou c'est interdit? Wow. Voilà, on l'a eu, ça y est. Eh ben, on peut se barrer maintenant. Oh, faut réactiver ça, battre l'autre... l'autre robot pirate et tout. Aïe. Merci pour les GG. Rat Pelette, manager de la carrière de Olivia. Hey, t'as vu ça un peu? C'est-il pas beau? N'oubliez pas le pouce en l'air. Bien rond, monsieur Talaberbe. Putain, il a quand même beaucoup de vie, hein, ce Corphoros. Enfoiros. Allez, faut mourir. Eh ben, disons. On aurait presque failli attendre. Allez, hop. Allez, chevaucher cet incroyable obus à pattes. Allez, cowboy. Ah,
Ah oui, il y avait des lumières rouges au-dessus, je m'en souviens même plus. Pour restaurer un peu la vie. House Mark a été racheté par PlayStation. Ah ouais? Ils ont été rachetés quand alors du coup? PlayStation qui rachète tout Lyon. Ils ont dépensé sans compter. Bah les gars, on y est. Boss de fin. Ça c'est Hooper avec le Martial. Prépare la V2 du site. J'ai une idée pour attirer le Martial. L'officialisation aujourd'hui, mais ça doit faire un moment. Retournal avait l'air pas mal. Bah oui, ça avait l'air pas mal du tout. De ce que j'en ai vu, moi ça m'a donné envie en tout cas. Ah, faudra vraiment qu'on refasse la version PS2 avec les voix. Les voix, elles sont énormes. Pour le combat épique. Ah, la musique là elle est énorme. Pareil, je l'avais mis dans le droïde du Hooper ça. Et de Monsieur Grand Cornichon aussi. Si je me rappelle bien. Merde. Allez, première phase, c'est bon. Cette fois, je te tiens. Ah non, maintenant je te tiens. Ah, j'y étais presque. L'ambiance du jeu elle est quand même énorme. Parce que 20 ans après, je la trouve toujours aussi énorme. Vraiment facile comme boss en fait. Bah oui, bah après ça c'est la première phase, il y a quand même une deuxième phase. C'est une Jedi, comment ça fait trop Star Wars? Ouais, bah oui. Tu parles inspiration, hein. Encore une fois. Hein. Toujours l'inspiration.
Allez, deuxième phase, les gars. Attends, je viens de faire un test sur un jeu rapide pour voir si ça pixelise trop. Ça peut aller, mais je me dis, s'il y a des viewers, est-ce que ça va pixeliser davantage? Bah, normalement, non. Mais, encore une fois, regarde le flux que tu as sur OBS. Hein. Ça se trouve, tu peux l'augmenter pour que ça ne fasse pas ça. Hein. Moi, ça pixelise parce que je suis en ADSL et que j'ai une connexion de merde. Voilà, pour récupérer ce pouvoir. Hop. Voilà, ça, et on tire. Et du coup, il existe un code. Un code qui permet en fait de passer. Putain, merde. De passer là en haut. Et d'avoir un tir infini. Merde. Par contre, je sais plus c'était quoi le raccourci. Parce que c'était pas contrôle et genre espace. Attendez, je vais essayer. Faut que j'essaye là, je sais plus. Je sais plus, merde, c'était. Faut que je retente, attendez. Faut que je retente. Non, c'est pas ça. Ah merde, je sais plus. Enfin, je réessayerai après, attendez. J'ai arrêté de faire le margoulin là. Où est-ce que tu règles le flux OBS? C'est dans les paramètres et je sais plus, je crois qu'il y a un onglet flux ou je sais plus exactement comment c'est marqué. Mange à ça le drôle! Attends, qu'est-ce que tu me dis? Peut-être baisser la musique un peu dans le jeu, on t'entend plus certains passages. Ah bon? Oh là là, vous me l'avez pas dit, les gars. Les gars. Est-ce que c'est mieux là? Ah là là, vous me l'avez pas dit, les gars. Oh merde! C'est débit vidéo qu'il faut augmenter. Ouais, je crois que c'est ça. Bah en fait, c'est marqué kilobits par seconde normalement. Si t'es en fil, tu dois genre pouvoir mettre facile 8000 ou 9000, tu vois. Après, faudrait que tu fasses un essai de ta connexion, un speed test, voir combien tu as en débit. On va boire la tasse.
c'est pas vrai. Je fais n'importe là. Putain, passé de 15 ans sur ce compte boss. Je m'étonne que ça doit être chiant. Allez, normalement c'est la dernière là. Et voilà. Sur Google samedi 813 mégabits, 193 mégabits. Donc ouais, effectivement, tu peux mettre à 8000, 9000. Ouais. Une excellente qualité de live, hein, y a pas de soucis. Tu mets ça et tu fais un essai, tu vas voir que ça va être joli. Ça va être impeccable. Quand Sonic ira vite, hein, tu n'auras aucun problème. Limite, tu peux faire du 60 FPS et tout team. Hein. Si le PC il arrive à le faire, let's go. Ça passera crème. Et voilà, la fin du jeu, les gars. Tellement énorme. Ah ouais, monsieur Yopé, il a combien en bitrate? C'est une bonne question, ça. Tu regardes pas les images pour pas te spoiler Rayman 2. Bah, t'as bien raison. Et je me demande s'il n'y avait pas un petit mini-jeu aussi où tu pouvais contrôler ce petit vaisseau là de Barbe Tranchante en mode Parodius, un shmup. Il me semble, hein, je peux me tromper, mais il me semble que c'est ça.
douce mélodie. Il y a David Boudenos dans les crédits. David Boudenos. Ah ouais, on a raté aucun lums, hein. Là on a même pris le millième lums, hein, les gars, celui qui est caché. D'ailleurs, chose marrante, j'ai vu du coup une vidéo où il y a un mec qui parlait de bug de Rayman. Et il parlait du millième lums dans Rayman Revolution sur PS2. Et en fait, quand on prend le millième lums, apparemment ça fait planter la PS2. Normalement, on devrait enchaîner le niveau et pourtant, en fait, on reste bloqué. Il se passe rien et c'est même pas comptabilisé dans tous les lums. Donc, en fait, le millième lums est dans le jeu, mais il est pas, il est pas programmé pour apparaître, quoi. C'est trop bizarre. Mais là, en tout cas, voilà, on a fini le jeu à 100%. On a les 1000 lums, on a toutes les cages. Donc c'est un 100%, messieurs. Peut-être un mini-jeu de Rayman 3. Un mini-jeu de Rayman... Ah, tu... Oui, non, non, c'était pas dans Rayman 3. Je suis sûr qu'il y avait un mini-jeu, mais il faut que je me rappelle comment on y avait accès. Déjà, je suis sûr que il y avait un code pour avoir le tir infini à la fin. Je vais vous le montrer, parce que j'en suis quasiment sûr. Attendez, il faut que je recherche code Rayman 2. Ça m'avait marqué. Alors attendez, Rayman 2. Il faut que je retrouve où c'était. La grande faille, la caverne de l'écho. Classique Rayman minigame. Il faut avoir 90% des lums pour aller à la fin du jeu. Et un mini-jeu du Rayman original. Bah tiens, ça je m'en rappelais pas. En ayant 90% des lums, très bien. Ça c'est pour Rayman PS2, Dreamcast. Je suis sûr, hein. J'en suis sûr et certain, mais il faut que je le retrouve. C'est pareil, ça c'est un truc que j'avais vu sur YouTube. Et quand j'avais vu ça, j'avais fait l'essai direct et je me suis dit, ah ouais, d'accord. Le boss de fin, en fait, il est tout pété, quoi. Il faut que je retrouve. Je sais plus. Je sais qu'il faut appuyer sur deux touches en même temps. Et je sais plus comment c'était exactement. Oh, comment que c'était? Mini-jeu bonus. Merde. Ah, oh, je vais pas le retrouver, t'es sérieux? Ah, je vais pas le trouver, hein.
Si je regarde sur YouTube, attendez. Je sais pas si c'est vraiment un cheat, mais bon, ok. Il faut appuyer sur sauter et tirer en même temps. Voilà. C'est bon, j'ai trouvé. On va faire l'essai, les gars. On va faire le test. Eh ben, dis donc. Ouais, pas simple, hein, le générique. Il est long, hein, ce con. Ah, vous avez entendu Zelda, oui. Donc Yoplay, il a mis 7500, ok. L'ASMR. Je sais pas pourquoi t'as dit ASMR. Ah oui. Ah bah voilà les gars, qu'est-ce que je disais? Je vous l'avais dit, il y a un mini-game. Ah non, en fait, on a un E, mais mort de rire. Ok. Le truc a aucun sens. On bat des X. Aucun sens. Une mort de rire. Ah ouais, je me souvenais plus que c'était ça, dis donc. C'est quand même du what the hell. D'accord. Ouais, non, mais c'est bon, ok. D'accord, c'est bon. Barre-toi. Mais non! Voilà. Bon, je vais vous montrer quand même le petit coup du cheat là, parce que ça vaut quand même le coup de le savoir. Boss, en fait, il y a 1000 lumes, c'est pas 999. Et si le joueur le prend, la console plante. Laisse, comme ça. On n'a plus le temps. De toute façon, personne ne va le trouver. Eh oui. Oh non, Doc, t'as fait cette blague. T'es sérieux? Allez, Michel, Ancel. Ah là 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 là. On combat Dr. X. Sacré Dr. X. Oh l'enfoiré. C'est un morpion. Ils avaient du temps à perdre, les devs. Bah, apparemment. Hein. Un petit mini-jeu comme ça, ouais, pour ce que tu veux. Le boss de Conquer. Le mini-jeu des crédits plus dur que le boss final de Splatter House. Allez, on passe ça. Hop. Alors, du coup. Il me semble qu'il faut prendre ça. Hop. Et donc il va falloir que j'appuie sur sauter et tirer en même temps. Attention. Et voilà. C'était ça, je m'en rappelais. Et là au bout, normalement, on a le tir infini. Voilà. Du coup, c'est tellement plus simple comme ça. Oh la vache, c'est abusé. Thank you.
C'est tellement abusé. Voilà. Le boss, du coup, tu le finis en 2-2. Donc vous saurez, hein, si vous faites la version PC, mais je crois que c'était disponible aussi pour les autres, je sais plus. J'ai un doute. Bah non, PS1, parce que le boss, c'est pas le même. PS1, il me semble qu'on est... c'est toujours le Grolgot, hein, mais... en fait, on a le Grolgot en face de nous. Et on voit Rayman sur l'obus à pattes, vu de derrière. En fait, il faut éviter des espèces de pics qui nous envoient. Enfin, c'est trop bizarre. Ça rappelle Starwing 64. Là, j'ai pas fait Starwing 64, mais je pense que ça doit être un peu le même délire aussi, oui. Bon, allez, passe-moi ça, là, on s'en fout. Allez, 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 c'est bon. Non, me dis pas qu'il faut se retaper ça. Ah non, c'est bon. Voilà, voilà, bon. Bah écoutez, on a fait le 100%, les gars, c'est parfait. Quand je vois un bateau qui vole, je me dis, mais pourquoi il n'y a pas de jeu sur Albator? Ah, le pognon peut-être, hein. Va savoir. On ne sait pas trop, hein. Le feu d'artifice de la fête des voisins, bah oui, ils ont fêté le match. Merci pour les GG, les gars. Est-ce qu'on teste Rayman 3 dans ce live ou je coupe et puis on fait un test? Sachant que je vais pas le commencer aujourd'hui, enfin je pense pas. Ouais, non, je pense pas. J'en sais rien. Après, je crois qu'il y avait... Ah oui, il y avait Amuro aussi qui voulait faire un live aujourd'hui. Attendez. Je sais plus. Je sais plus, dis-moi. Petit test de coup, on sera tes ingénieurs. Bien vos ingénieurs. Il y a eu un jeu sur Albator qui s'appelle Sky Arcadia. Ah bon? T'as retardé. Ah, mais fallait pas retarder le live, Amuro. Et pas, oh là là. Surtout pas. Ok, vous voulez que je teste vite fait? Alors, on va faire ça vite fait. Donc, au revoir Rayman 2. Un plaisir à refaire, évidemment. Toujours aussi bon. Toujours aussi bon, voilà. Alors, attendez. Rayman 3. Est-ce que déjà il se lance? Voilà, je vais vous mettre cette magnifique image. Ah là là. Apparemment, il n'a pas l'air de se lancer, l'enfoiros. Bizarre ça quand même. Faut que j'aille farfouiller, tiens. Donnez-moi 30 secondes. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Mais non! Mais non, mais qu'est-ce que tu m'ouvres ça? Oh, putain, il est con. Donnez-moi 30 secondes les mecs. Parce que j'ai Rayman 3 qui est installé, mais pourtant il se lance pas. Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Pas très gentil. GOG Galaxy, Games. Ah ouais, il est pas installé ici. Et pourtant, je l'avais celui-là. Oh là 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 là, me dis pas qu'il faut que je télécharge. Hein.
Eh non, je ne connais pas Arcadia. Putain, j'arrive plus à parler. Je ne le connais pas. C'est triste, hein. Jeu installé, jeu possédé. Bah oui, je l'ai là. Pourquoi il me l'a pas installé, ce couillon? Bah, si je coupe la phase test au montage, le problème qui va se poser, c'est que bah, on va perdre le chat, quoi. C'est un peu couillon. Ah, il est en train d'installer Rayman. Oh, ah merde, il y a 1,8 Go 28 à télécharger. Merde. Ah ben je vais être obligé de... Je vais être obligé de faire une pause en fait. Ah, chaise. Ouais, j'étais obligé de mettre en pause le live et puis de refaire un live test. Oh, c'est chiant. C'est chiant. Bon, c'est tout, hein. Je referai un petit live test juste après, là, quand j'aurai fini de télécharger. Je pense que quand je vais couper, il va mettre quoi? Il va mettre 10 minutes, 10-15 minutes à télécharger, donc ce sera pas trop long, quoi. Comme ça, s'il y en a qui veulent voir vite fait le petit test. Ah là 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 là, que c'est chiant! Bon, bah, de toute façon, il y a Monsieur Amoureux qui voulait faire un live comme ça. Ça enchaîne, hein. On fera un petit test. Allez, je télécharge le jeu et puis on se dit à 5 minutes pour ceux qui veulent voir le test. Et puis bah à la prochaine pour ceux qui viendront quand on fera ce bon vieux Rayman 3, les gars. À plus.